Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je commence la vidéo par vous montrer le chou-fleur dans la serre. Il devient énorme. Regardez un peu la taille qu'il a. C'est vraiment énorme. Maintenant, à l'intérieur, il n'y a toujours pas de boules qui se forment. On verra un peu, mais il est énorme. Alors, ben, voilà la serre. Ça pousse, ça commence à se développer. Ça devient beau. Ici, on a les quelques premières fleurs, hein, vous voyez, voilà. Et voilà, ça, là, les quelques salades à repiquer. Et ici, le jardin, avec également les premières fleurs sur les plants. Je commence à avoir des gourmands. L'année passée, je ne les avais pas coupés. J'avais laissé les plantes se développer. Cette année, je ne vais pas le faire. Je vais couper les gourmands. Donc, vous voyez ici, on a des gourmands. Et certains pieds, je vais laisser deux têtes, voilà, comme celui-ci. Ici, vous voyez, j'ai laissé un gourmand ici et la tête principale. Donc, j'aurai deux pieds, deux têtes sur cette plante. Voilà. Vous voyez, on attrape aussi des petites fleurs ici, des petites fleurs aussi. Ça commence à bien se développer. Voilà, maintenant, on va un peu regarder les autres choux qui, eux, ben, bougent bien. Voilà. Ce sont les autres choux. Ils se développent pas mal. Ici, nous avons ben, les chicons. Et si vous pouvez voir, les racines deviennent très belles. Voilà, regardez, on voit les racines. Elles se développent bien et c'est dans un bac. Alors ceci, c'est une racine de chicons de l'année passée que j'ai laissée pour récupérer les graines, comme j'ai fait l'année passée. Voilà. Donc, tout se développe bien. Ici, les pommes de terre qui vont aussi très bien. Voilà. Trois salades remises en jardinière. Et ici, ben, les salades, vous voyez. J'en ai perdu deux avec les genres de petits asticots là, que je vous ai montré. Là, quelques salades qui se développent aussi. Quelques radis. Tournesol. Et alors ici, les fleurs qui commencent à avoir. Voilà, on commence à voir les fleurs qui vont apparaître ici. Là, voilà les fleurs qui apparaissent. Même chose ici, tournesol, le persil, la ciboulette là derrière, les œillets. Voilà, ça se développe tout doucement. Ici, on attrape des roses. Elles seront bientôt ouvertes, on commence à voir que ça s'ouvre. Voilà. Voilà, par contre, voilà, ici, ça c'est un potiron. Ils commencent à se développer. Ils ne sont pas gros, mais je ne perds pas espoir. Là, petite courgette, courgette, potiron, courgette, courgette et potiron. Alors là-bas, nous avons les tomates cerises qui se développent aussi. Donc, on a des fleurs ici. Là-bas, on a des fleurs également. Sur les tomates cerises. Puis je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, des pensées qui se sont auto-semées dans le jardin, je les ai récupérées. Et voilà, elles sont en fleurs ici sur la petite table. Alors là, la fameuse tomate robine qui a passé tout l'hiver, qui m'a fait des tomates à l'intérieur, ben voilà, elle refait des tomates. Voyez. Et elle a passé tout l'hiver à l'intérieur et elle m'a fait des tomates à l'intérieur. Donc voilà, ici. Alors regardez. Vous vous rappelez mes piments? Ben voilà, j'ai eu un coup de froid. Ben, le dernier coup de froid, j'ai tout perdu. J'ai dû couper les feuilles. Et maintenant, ils commencent à récupérer des feuilles. On verra ce que ça va donner. Par contre, celui-ci n'a pas eu de coup de froid. Il n'a pas perdu ses feuilles. Et j'ai des piments dessus. Ce sont des piments d'Espelette. Et ici, ce sont des piments hot wax. Voilà, on voit ici, là, à l'intérieur. Voilà. Et ici le fameux arbre à tomates. Voilà. Ben, il est pas beau, mais il tient le coup. On verra ce que ça donnera dans le futur. Hein. Voilà. C'est le fameux arbre à tomates. Et bien voilà, je vais vous laisser. Je termine cette vidéo, vous montre la pelouse. Et ce sera la prochaine fois. Bonne journée à tous, portez-vous bien.